Jusqu'à ma welli face à face, Jésus c'est tout pour moi. Du coucher du soleil, il manifeste envers nous sa vigilance jusqu'à l'aube matinière. Il nous tient dans sa main pour nous lever. Et nous voici devant sa face, dans la reconnaissance de ses œuvres, pour lui dire merci, en prenant une tasse café chaude spirituelle. Mesdames, messieurs, frères et sœurs en Christ, je vous rappelle, c'est l'émission Une tasse café chaude spirituelle qui est rentrée chez vous, la prière matinale, par votre serviteur, pasteur Lazare Benson. Moi, j'ai espoir, un jour pour moi fin souffrir. Et je salis pas loin pour les venir. Frère Maxime, yo, aidez-nous, priez-nous. Afin pour me capable rencontrer Jésus. Mesdames, messieurs, frères et sœurs en Christ, je vous rappelle que chaque matin avant de prier, nous faisons toujours une petite méditation, question de stimuler notre foi dans ce que nous allons faire. Comme vous le savez fort bien, prier, c'est un acte de foi. Et si nous parlons de la foi, nous ne pouvons pas ignorer la parole, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc sur ce, je vous invite à ouvrir avec nous votre Bible dans Romains chapitre 5. Nous allons lire les versets 1 au verset 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans les épreuves, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Que Dieu bénisse cette portion de lecture pour l'édification commune de nos âmes. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin avant de prier, nous allons méditer sur ce sujet qui s'intitule « La souffrance du chrétien ». La question de la souffrance est certainement le principal défi posé aux chrétiens des temps modernes. Pour comprendre mieux ce phénomène, on dit que la souffrance ou la douleur au sens large est une expérience de désagrément et d'aversion liée à un dommage ou une menace de dommage chez l'individu. La souffrance est l'élément fondamental qui constitue la valence négative des phénomènes affectifs. La souffrance peut être physique ou mentale, selon qu'elle se rattache principalement à un processus somatique ou psychique dans un organisme. La douleur comme sensation, la nausée, la détresse respiratoire et la démangeaison sont des exemples de souffrance physique. L'anxiété, le deuil, la haine, l'ennui sont des exemples de souffrance mentale. Donc, on peut comprendre que la souffrance l'est manifestée à plusieurs niveaux. On mon cas a souffri physiquement ou bien corporellement, ou bien mon cas a souffri psychologiquement. Il y a mon qui dit plutôt souffri corporellement, l'est pas souffri psychologiquement. Il y a mon qui dit plutôt souffri psychologiquement, l'est pas souffri corporellement. Pourtant, les deux côtés, le mal est infini. Toute souffrance crée les souffrances. Souffrance n'est pas là pour faire l'autre bagaille. En tant qu'humain, l'est là pour lui peiner la vie, non. Mais cependant, si nous t'avons posé la question, qui est-ce qui pas fait face à la souffrance? Tout le monde dans la vie fait face à la souffrance. Et si nous t'avons dit qui monde qui aime la souffrance? Pas grand monde qui a dit aime la souffrance, parce que pas grand monde qui t'a désiré ou bien qui t'a choisi pour souffrir. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs en Christ, comme étant chrétien, la souffrance souvent est un instrument que Dieu utilise pour attirer notre attention. Je reprends pour vous, la souffrance souvent est un instrument que Dieu utilise pour attirer notre attention.
Il a dit dans Matthieu 5, verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira toutes sortes de mal à cause de moi. » Dans Luc 6, verset 22, il a dit « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Dans Matthieu 5, verset 11-12, il dit « Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous piétine. » Maintenant, quand on essaie de comprendre le contexte, lorsque Dieu a dit « Heureux serez-vous », c'est parce que autant de fois nous souffrons, nous vivons plus près, mon Dieu. Pabli Emso dit tout à l'heure, la souffrance souvent est un instrument que Dieu utilise pour attirer notre attention. Pour attirer notre attention, qui ça me le dit par là? En réalité, nous voulons d'accord avec moi. En pile fois, lorsque la vie nous bien marché, tout bagaille allait correct, nous avons l'impression que nous voulons oublier, mon Dieu. Même prier, nous pas sous la prière. Lorsque nous pas gain problème, lorsque tout bagaille marché correct pour nous, nous qu'on même senti la prière pas tellement important pour nous. Et en réalité, c'est à un moment pour nous t'a plus prier. Mais cependant, pour nous même pour nous prier, c'est lorsque nous avons un problème, nous t'es chargé, nous avons un tracas. C'est l'heure ça à nous prier. Tout temps pas gain problème, tout temps pas dans situation difficile, nous pas apprendre prier. Donc bon Dieu qu'on nous permette que l'équité nous tomber dans souffrance yo, mais pas pour quitter nous périr, l'équité nous tomber là-dedans, pas pour quitter la vie nous finir, mais c'est juste pour qu'a fait nous rester plus près. C'est juste pour nous qu'a plus attaché avec bon Dieu. D'accord avec dans Romains chapitre 5. Parole en fait mention, il dit, l'affliction, ou bien je dis, si je ne veux pas dire l'affliction, je veux dire la souffrance, ou bien l'affliction, il prend le produit, la persévérance. La persévérance prend le produit, la victoire. Et la victoire prend le produit, l'espérance. T'as bien, oui? Il y a quatre bagages là qui sont importants. Premièrement, la souffrance. Deuxièmement, la persévérance. Troisièmement, la victoire. Quatrièmement, l'espérance. Et me voulons d'accord avec mes bien-aimés frères et sœurs en Christ qui marchent avec bon Dieu. Me connais en réalité qu'il y a des gens qui souffrent et souffrance tant terrible. Et me connais que bon Dieu l'a gardé. Bon Dieu, les yeux l'a observé. Gina mon ou gina sœur ou ka la kali ou porte li fermé ou pour frapper porte li pas ouvri ou penser c'est peut-être dormi l'a dormi c'est pas dormi l'a dormi c'est souvent il a lamenté l'a crié dans ses larmes l'a crié amèrement mais il pas veut monde connaisse l'a crié il pas veut monde connaît serviteur là qu'on couche en dans sous dos l'a gardé n'est pas capable dit en l'air l'a gardé toiture kaila pendant cœur li attristé. Gina mon en réalité qui perdu qui tellement triste, qui tellement souffri, qui triste. Yo souffri à cause de foyer yo. C'est mon nan foyer la kayo k'ap faire souffrir. C'est pas qui duri, là mon re ton côté et puis c'est mon côté ta k'ap faire mouton le ciel pardon. Ou pas ka quitter kaila ou pas ka à l'autre côté ou bien ou pas gen l'autre côté pour aller et puis mouton le ciel pardon. Ah, ça terrible. Ça terrible. Qu'on ait madame qui a souffert à cause de mari, qu'on ait mari qui a souffert à cause de madame, qu'on ait parent qui a souffert à cause de petite, qu'on ait sœur qui a souffert à cause de sœur, à cause de frère, qu'on ait cousin qui a souffert à cause de cousin ou de cousin, qu'on ait ma tante qui a souffert à cause de neveu, neveu à cause de ma tante, ainsi, qu'on ait des monde qui a souffert à cause de l'autre monde qui est entouragé et qui fait que la vie est pénible. Nous sommes, j'aime te dire ça déjà. Guider mon nom ville, c'est pas problème, les gars. Son arithmétique, même que les gars. Les gars, toutes sortes de numéros problèmes dans la ville. Les gars, toutes sortes de numéros problèmes, non. Et une seule formule, pas suffit. Et les besoins pile formule pour le cas sortir dans la situation liée à. Et pas deux formules. Les utiliser déjà, les pas jamais qu'à une bonne solution pour problème, non. Eh bien, en réalité, nous connaissons et nous conscients. Il y a bien mes frères et sœurs qui acceptaient souffrir. La souffrir, parce qu'elle pas voulait négocier. Li accepte souffrir parce qu'elle pas veut sale robli, li pas veut sale intégrité. Gina moun ki accepte souffrir parce qu'elle pas d'accord pour rentrer dans compromis qu'elle pas doit rentrer. Gina moun ki d'accord souffrir et la souffriant sous la volonté de Dieu, li dit Seigneur fais sauve la même, m'accepte souffrir pour ou, m'attend mo pau. Ah, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est pas qui drôle lui, là où moun a souffri, li pas ka expliquer moun souffrance li. Là mon a crié, il pas voulait mon ouais, mon en dans caille là, il criait, 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 après là il laver visage, bien lavé, il savonner visage lui et puis il sorti dehors. Pas grand monde qui connaît qui ça t'a fait en dedans, mais c'est pas en dedans, il t'a lamenté. Cœur triste, gloire saute dans yeux, tristesse en pareil, il t'a lamenté.
Mais pas oublier, me dit nos bagailles. Lorsque Dieu, en quelque sorte, voulait attirer attention vers lui-même, par là, l'affliction, la produit la persévérance. Cela veut dire, autant de fois où mon souffrit, où vient plus près, bon Dieu. Parce que des fois, j'aime t'as dit à l'heure, les affaires nous marchent correct, nous avons tendance à oublier, bon Dieu. Les toutes bagailles correctes pour nous, nous avons tendance à négliger la prière, négliger la consécration dans la présence, bon Dieu. Maintenant, quand le problème est venu, nous avons une possibilité. Parce que bon Dieu connaît pertinemment, immédiatement arrivé dans ce stade côté que le problème n'a dépassé nous, nous pas bien le choix que vienne côté. Nous pas le choix que vienne côté pour venir dire, Seigneur, pas capable encore. Donc, en réalité, lorsque on a souffri, comme étant chrétien, là-bas, aux possibilités, dans souffrance, on est obligé de rentrer dans la persévérance, dans la présence de bon Dieu, pour qu'à chercher recours, pour qu'à chercher grâce. Et puis, autant de fois qu'on peut chercher grâce dans bon Dieu, c'est autant de fois où on peut jouer la victoire. Et une fois qu'on vient jouer la victoire, on peut gagner l'espérance. C'est quoi l'espérance? C'est une capacité qui permet que nous poser, en dépit de tout ça qui arrive devant nous, nous rester calmes et nous connaissons dans main nous, ça pas passer comme ça. Nous connaissons dans main nous, ça pas finir comme ça. Nous connaissons dans main nous, c'est pas encore la fin. Nous connaissons dans main nous, c'est pour qu'on dernier mot. Hein. Nous connaissons dans main nous, avec le monde que nous avons marché, hein, les grands plans qui merveilleux pour nous-mêmes. Et je suis d'accord avec moi, monde qui a une bonne espérance dans mon Dieu. Il n'y a pas n'importe qui, et pas n'importe vent, et même dit n'importe vent, vent pas porter ou aller. Monde qui a une bonne espérance dans mon Dieu, vent pas porter l'aller. Monde qui a une espérance dans mon Dieu, ils sont flash, ils font baleine. Vent qui éteint baleine, mais vent pas éteint flash. Donc, chrétiens sont flash liés, ils pas en baleine, même si vent venté, nous pas éteint non. Parce que, en réalité, nature, pas non, ils pas soumettre en bas vent. Donc, nous avons que chaque monde qui a souffri, chaque monde qui n'a forum, non, qui a souffri, mais chaque monde qui est un serviteur, un servant de Dieu, qui a tenu prière, ça, tenez bien, à le sous genou, à lamenter par la bon Dieu, à le persévérer dans la présence de bon Dieu, dans la prière, ou à jouer la victoire. Et lorsqu'on finit de jouer la victoire, c'est sûr, on peut le marcher dans l'espérance. Jésus, c'est raison que moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de toute éternité, en ce moment nous venons devant face bénie, toi qui es le Shiloh d'Israël, toi qui es l'ancien des jours, toi qui es l'élixir de longue vie, toi qui es la pierre philosophale, toi qui es le solvant universel. Père infiniment grand, toi qui es le premier et le dernier, mais nous venons devant face bénie pour une bonne gloire, l'honneur, pour une bonne exaltation que nous-mêmes seulement mérité. Pour nous rappeler nos pères, ne pas jamblir lorsque Abraham, ou t'es dit Abraham pour le sortir en Ur, en Caldé, de la maison de son père, pour le prendre vers un territoire inconnu. Abraham était confiant et jusqu'à ce que père, il était prêt à la route, connaissant à qui il marche, connaissant entre les mains de qui que sa vie se repose. Donc Abraham était confiant. Confiant et pour te faire route là, Seigneur, avec nous-mêmes. De toi, foi, c'est maintenant. N'a pas tout merci parce que, ou bah, nous accepte pour nous venir devant face bénie, pour nous venir parler avec vous. Nous pas connaître combien de membres ministères là qui a souffri. Nous pas connaître combien bien-aimés qui prennent le temps de prier ça et qui a passé un moment qui bleu là, souffri. Que monde c'est dans foyer, il a souffri. Il a pas qu'à parler avec monde. Il a pas qu'à expliquer monde ça. Il a souffri en silence. Que monde cherche un problème là, enduré. Même s'il t'a ri pendant quelques secondes, non blague qui après quelques minutes encore, même tristesse la retourner encore, cœur toujours absauté, le stressé, l'esprit bouleversé, parce que le gon barak a rongé la ville. Seigneur, maintenant, moi, de t'en prie dans grâce à amon, qu'on va loger main de grâce ou main de calme, qu'on va calmer, cher Seigneur Dieu, la vie chaque monde qui agité, monde qui sentit qu'il n'est pas capable encore, qui sentit que la vie est sans sens, la vie est sans recours, la vie est sans couleur, la vie est désappropriée. Puis, à t'en prie dans bonté, dans grâce.
basso, qu'on va loger main au suyo, qu'on va toucher au matin, ne pas connaître si c'est dans travail, yo senti problème non yé, si c'est dans famille, yo en dans foyer la caillo, problème non yé, si c'est dans industrie ou bien dans compagnie, côté travail là, si c'est côté ou bien business yo, si c'est côté ou bien activité yo a père, si c'est côté ou dans programme père, y a entreprendre, quand pris dans moment ça chercher un Dieu, qu'on va toucher chaque bien-aimé, capter les prières ça, faire senti en dans épreuve là, ou pas abandonner yo en dans souffrance là, y a pas besoin crier parce qu'on gon mot pral dire, y a pas besoin faire cœur triste parce qu'on gon bagaille qu'on pral dire, ou gon décision pral prendre, quand pris Seigneur Dieu dans bonté, dans amour Jésus, dans compassion, longez-moi Seigneur, sous chaque membre d'accord, longez-moi sous chaque frère acteur qui pral tenir les prières ça, longez-moi sous yo père pour qu'a vivre une expérience agréable, une expérience exceptionnelle, une expérience à nul autre pareil, et pour reconnaître, c'est vous-même seul qui, mon Dieu, yo. Pendant journée, ça, Père, fait que pendant journée, ça, la grande source de bénédiction, à victoire, qui est capable de manifester dans la vie, yo. Si pour la dire l'affliction, la produit, la persévérance, il va produire la victoire, et la victoire, en espérance, maintenant t'en prie, Père, qu'on va éclater merveille de victoire là, éclater merveille de victoire là, pour tout frère, pour tout petit garçon yo, et pour éclater, pour toute petite fille yo, éclater, pour tout ouvrier qui travaille avec yo, éclater, en sorte que non on va glorifier, non on va magnifier, non on va honorer, dans un moment ça persécurable, maintenant t'en prie, agis avec nous, conduis nous, fais route là avec nous, mène-nous au bon port, t'en prie, Seigneur, et nous pouvons rester ferme et fort dans la présence yo, inébranlable, pas qu'il t'ait rien dérouté, non, pas qu'il t'ait rien dérouté, m'en backup, et pas qu'il t'ait aucun vent de tristesse, vent de douleur, vent de tête chargée, pour mener yo aller. Au contraire, lorsque problème n'en vini, fait que Père, y a le reposer dans pied, comme étant Seigneur, comme étant maître, yo. Même je parle à dire, quand tout est sombre, ne perds pas courage, même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, et crois seulement. Libre mémoire. Ou ete mla tenebio E kounye la mwen vle rete pou non li Pout la fe noa li api ke pui l glise Mem do e kone fos Jezu Kris etou. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous espérons que vous passez une excellente journée. Une journée de grâce, une journée de paix, une journée de bénédiction, une journée de victoire. Que l'esprit de paix, l'esprit de grâce, l'esprit de bénédiction, l'esprit de victoire soit reposé sur chacun de vous dès à présent et pour toujours. Bye bye, bonne journée, que Dieu vous bénisse. La fin.